pour bien construire une action publique qui soit efficace en matière de prévention des risques routiers, il est important d'avoir un socle de connaissances pour bien connaître en réalité le public auquel on va s'adresser. Ce qui est intéressant dans la matinée qui vient de s'écouler, c'est qu'on voit qu'il y a à la fois une forme de permanence d'un certain nombre de comportements qui sont liés d'ailleurs parfois à des dimensions physiques. On a parlé beaucoup de la maturation du cerveau et du cortex des jeunes adultes. Donc il y a une prise de risque qui est d'une certaine manière inhérent un peu à cette période de la vie. Mais on voit aussi que ce risque peut se déplacer en fonction de la génération à laquelle nous parlons. Le téléphone, ça devient un objet quotidien. On a beaucoup parlé ce matin d'objets transitionnels, par exemple. On voit que c'est effectivement quelque chose auquel les jeunes adultes sont très accrochés. Et ça crée, ça génère une nouvelle source de risque au volant dont nous devons tenir compte. Aller effectivement vers les réseaux sociaux, vers les codes de communication qui sont les leurs, c'est ce que nous essayons de faire. Et c'est pourquoi il est important de très bien comprendre comment ils fonctionnent.